est debout pour dire non au renoncement, non à la paventrice, oui au respect de la Constitution, oui au respect de la République, oui au respect des institutions démocratiques. The violence that occurred on the 23rd and 27th of June 2011 brought Senegal into the international media spotlight, and along with it, strong disrepute over the country's alleged democracy, a system that had been praised ever since Senegal first witnessed its peaceful and democratic political transition back in March of 2000. Nous disons non, non à Blaye Wade, non à son régime, non à Blaye Wade. Je dis bien, regardez cette pierre, c'est mon arme. Vous allez en faire quoi? Cette pierre-là, mais qu'il vienne, vous allez voir ce que je vais en faire. Je me réjouis du choix porté par les forces alliées pour la victoire, FAL 2012, sur son leader comme candidat à l'élection présidentielle prochaine. Décide solennellement, à l'unanimité, debout et par acclamation, d'investir Maître Abdoulaye Wade, candidat unique du PDS et des FAL 2012, à l'élection du 26 février 2012. The decision to maintain the controversial candidacy of Abdoulaye Wade further deteriorated the political climate. The tensions that arose stirred fiery emotions among Senegalese, emotions that manifested themselves through violent tirades and fierce riots that took place in streets clear across the country, and that also led to several deaths and countless injuries. This state of perpetual tension became the prevailing atmosphere throughout much of the pre-electoral and electoral campaigning period. Nous pensons que les lendemains meilleurs, c'est des élections transparentes. À mon avis, c'est ça le véritable combat. Parce que en fait, être candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai, c'est une étape. Mais il y a 14 candidats et un seul va être déclaré élu. Cela veut dire qu'être candidat ne signifie rien du tout. Mais le véritable combat, encore une fois, je le dis, c'est le combat que nous devons tous mener pour arriver à une élection transparente. C'est presque un an avant l'élection, avant février 2012, que cette question autour de la non-validité de la candidature de M. le Président Blaye Wade a été agitée et vraiment fortement présente dans l'espace politique sénégalais. Il y a eu une focalisation sur le respect des règles du jeu. Mais derrière cette focalisation, la question du renouvellement du mandat, troisième, on a eu recours à des spécialistes, il y a eu presque un pré-colloque sur l'enjeu du renouvellement du mandat, un contre-pré-colloque sur la question, il y a eu une énorme mobilisation. Following close observation in countries like Nigeria and Liberia, the decision was made to establish an initiative called the Election Situation Room. Its main purpose was to go beyond simple observation, to draw real-time conclusions from possible electoral abuses or frauds. Donc ce que nous avons fait, c'est que d'abord, nous, dès le mois de mai, juin, 2011, nous avons commencé à ficeler des projets pour visant principalement trois objectifs. Mobiliser les citoyens, c'est-à-dire par l'inscription, par le retrait des cartes. Éduquer les citoyens sur les élections apaisées, vu le climat qui prévalait. Mais aussi travailler à nous assurer que le scrutin sera libre et transparent. Et donc, ce que nous avons fait par la suite, c'est que nous avons organisé des visites d'échange. Ça, c'est le titre, je pense, c'est la première étape dans la mise en œuvre de la Situation Room. Nous avons organisé des visites d'échange pour des organisations de la société civile sénégalaise. Il y a eu des missions d'exploration que le collectif, donc la société civile sénégalaise, a eu à faire au Nigeria et au Bénin, qui nous ont permis de voir comment, là-bas, les gens parvenaient à influencer le déroulement du processus de façon positive. Et nous avons capitalisé les deux expériences du Bénin et du Nigeria
en ajoutant des dispositifs allant dans le sens d'être beaucoup plus performant. Quand vous avez une coalition qui se met en place, surtout pour une tâche aussi, un enjeu aussi sensible, il est important que les rôles soient clairement départagés, même s'il y a nécessairement des chevauchements, qui sont bénéfiques d'ailleurs. Alors, moi je dirais plus dans un sens politique, je pense qu'il y a eu, grosso modo, ceux qui se sont mobilisés sur le terrain, et ça a été essentiellement les organisations qui sont capables de mobiliser beaucoup de jeunes et qui avaient faim de se mobiliser sur le terrain, de sécuriser. Et donc cela, ça a été véritablement la mobilisation. Il y a eu ceux qui ont été dans le développement d'un outil technologique nouveau, innovant. Et donc ça, c'était des organisations de la société civile qui aujourd'hui se spécialisent dans les technologies au service de la citoyenneté et de la démocratie. Il y a eu des organisations qui sont, elles, beaucoup plus dans tout ce qui est le plaidoyer pour faire avancer les institutions démocratiques. Et donc voilà, il y a eu des institutions telles que l'Église catholique qui se sont impliquées également parce qu'elles apportent leur poids également en termes de mobilisation, mais également de voix qui font autorité. Au niveau du collectif, nous sommes tous conscients qu'aucune organisation ne pouvait assurer à elle seule l'observation des élections sur toute l'étendue du territoire national. Et comme nous avions un objectif de territorialisation de l'observation, ça veut dire de couvrir toute l'étendue du territoire national, il fallait développer des complémentarités. Il y a des ONG et des organisations de la société civile qui sont présentes dans X, Y régions et qui ne sont pas dans d'autres régions. Et donc, avec la mise en synergie de nos efforts, nous parvenons à assurer la territorialisation de l'observation en ayant un maillage complet. With the technical and financial support from OSIWA, USAID, the British Embassy, One World UK, and the National Democratic Institute, several civil society groups involved in pre-electoral and electoral observation, such as RESOSIT, the Senegalese Network of Citizen Observers, the Catholic Church, and a dialogue, they were all able to harmonize and exchange real-time information together through the Situation Room. Là, par exemple, nous avons à peu près 1080 bureaux qui nous ont envoyé des données et qui permet à la Situation Room de savoir exactement où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements par rapport à la loi électorale. Vous savez qu'en 2000, hein, c'était les téléphones cellulaires qui avaient été l'élément central de l'élection présidentielle. Et beaucoup d'acteurs estiment que c'est le téléphone mobile qui a été en fait l'élément qui a permis la transparence et même l'alternance. Parce que les informations, les résultats étaient donnés en temps réel via le cellulaire. Cette fois-ci, je pense que l'Internet a joué un rôle crucial. Donc, les observateurs n'étaient plus seulement outillés de fiches d'observation papier. Nous y avons rajouté quelque chose qui est quoi? L'utilisation du SMS. Et pour cela, on a eu un partenaire technique assez quand même déterminant. C'est One World UK. Après le renforcement des capacités via cette formation, on a mis en place une équipe de veille et d'analyse qui, elle, est en charge justement de pouvoir contrôler un peu toutes les données qu'on recevrait et de pouvoir aussi s'assurer un peu de la fiabilité des différentes données qui sont remontées. Et nous essayons donc de l'analyser et nous le mettons en ligne sur le site web, sur le portail. Et à l'issue de ça, nous essayons aussi de produire des rapports périodiques à la Chambre politique qui, elle, est en charge maintenant de mener un certain nombre d'actions, des médiations, d'interventions ou même de prévention. Là, par exemple, sur Nguès, au bureau 1, à la région de Louga, département Linguère, le bureau de vote est ouvert avec un retard important. Et on peut cliquer pour voir tous les rapports de ce bureau de vote exactement. On peut savoir, par exemple, les assesseurs n'étaient pas présents au moment du bureau de vote et l'urne. Donc ça, c'est l'ouverture du bureau de vote. Et donc ça permet après d'avoir des rapports consolidés que nous transmettons et ça permet justement aux plénipotentiaires qui sont à la Situation Room de pouvoir intervenir, saisir les organes de gestion des élections pour
parler des dysfonctionnements ou bien aussi faire un peu de l'analyse prospective par rapport à ce qui se passe. J'espère que vous avez pu visiter le site snevote2012.com qui est une plateforme basée sur le web qui permettait de voir ce que un réseau de 4500 observateurs dans un tiers des bureaux de vote du pays ont pu observer en temps réel et faire remonter en temps réel par SMS à une chambre technique qui postait tout ça sur un site web qui était disponible donc pour tous les citoyens sénégalais mais également de la planète pour voir en temps réel comment se déroulait l'élection. Est-ce que ça se déroulait correctement du point de vue de la logistique mise en place par l'État? Est-ce que les citoyens venaient voter? Est-ce que la crédibilité et l'honnêteté simplement du scrutin étaient garanties? Tout ça était visible et sécurisable en temps réel. Et donc cette plateforme sur le web, c'est un nouvel outil technologique qui est une révolution en soi. Ça aussi, on a pensé que c'était un élément central parce que quiconque, partout où on se trouve, vous, les journalistes, pouvez être dans nos rédactions et utiliser cet outil-là. Les Sénégalais de la diaspora, moi, je peux être chez moi, regarder, ouvrir ma machine, je vais sur le site web, je peux faire un monitoring à temps réel des informations relatives au scrutin. Et nous pensons que ça aussi a contribué à l'ouverture, à la transparence, mais aussi au monitoring, à l'accès à l'information. Parce que l'accès, c'est quand il y a absence d'information aussi que des troubles peuvent être orchestrés ou bien des informations non fiables sont véhiculées qui peuvent être source de dysfonctionnement et de problèmes. The acquired legitimacy and the methodology put in place raised interest with many prominent individuals within the political sector and among civil society organizations. It was also taken note by the election governing bodies, the Ministry of Elections, the National Electoral Commission, the Ministry of Interior, and the Ministry of Justice, all of whom collaborated on the Situation Room to various degrees. Au lieu d'avoir cette approche-là qui constitue à publier après l'élection des données sur les élections, c'est d'avoir une approche proactive, c'est-à-dire que essayer d'apporter des correctifs tant que c'est possible. Et ça, on ne peut pas le faire sans une collaboration effective des autorités qui s'occupe du processus électoral. Donc c'est vous, la Sénat, c'est le ministère des élections, c'est la cour d'appel, c'est le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Je pense que vous avez la bonne démarche. Je pense que nous nous associons complètement avec vous. Vous êtes réactifs. Tout de suite, vous réagissez. Tout de suite, vous portez les incidents à la connaissance de ceux qui sont chargés peut-être d'y apporter des correctifs. Je pense que c'est là une meilleure façon de gérer les problèmes et non pas d'attendre que la fin, ensuite faire un rapport et donner des chiffres qui ont véritablement vicié l'équilibre des résultats et orienté les résultats dans un sens ou dans un autre. Tous les acteurs, que ce soit politique ou société civile, ont été fondus vers la même vision tendue vers le même objectif, le respect de la Constitution. Et ce respect de la Constitution est énormément politique. Et la société civile a joué son rôle, rien que son rôle, mais tout son rôle dans cette bataille qui est en train quand même d'atteindre ses objectifs. Alors, donc ici, c'est la salle technique, on l'appelle la plateforme technique. Sur le terrain, nous avons 4500 observateurs dans toutes les régions, dans tous les départements, qui font de l'observation. Alors, ils observent ce qui se passe, ils l'envoient en temps réel par SMS. Et donc, même à midi, on avait le taux de participation, etc. Donc, ils remontent également les dysfonctionnements. Et c'est ces gens-là qui traitent tout ça. Ils traitent, ils remettent à la chambre politique, là où je vous emmène, où il y a les leaders de la société civile, les Majid Diaye, les Mohamed Doumbouya, qui prennent les informations pour saisir qui de droit. Quand, par exemple, il y a un bureau de vote qui a des problèmes, ils saisissent le préfet ou le sous-préfet de la zone. Parfois, c'est le ministre de la salle des élections qui saisit. C'est donc une mission qui permet de gérer les dysfonctionnements, etc. Donc, ici, il y a les opérateurs de saisie, etc. Je suis une militante de la paix, que ce soit dans tous les domaines. Je le disais tout à l'heure à certains de vos confrères.
que j'utilise souvent l'exemple du sport et des valeurs du sport qui peuvent quelque part s'appliquer à la vie en règle générale et à la politique. Vous savez, un stade de football, c'est un stade qui, où les choses peuvent dégénérer très vite, où les gens sont très, très, très excités. Et le moindre propos qui peut déraper peut devenir dramatique. Allez, vous pouvez y aller, hein. Ça se déroule correctement, on a aucun problème. On apprécie fort bien le rôle et le travail des observateurs. Donc, si je retiens bien, c'est chaque 40 minutes, il y a des forces de l'ordre qui rentrent dans les différents bureaux de vote pour demander le nombre de votants. Et ils ressortent. École 1, école 4, école 6, de quelle ville? De Sédiou. Commune de Sédiou. Donc c'est dans la ville même. Alors, il faut informer rapidement la sécurité. Le président du bureau de vote et le représentant de la CEDA. Pour de participation, Piquine. Ok, parfait. Non, c'est bon. Bignon, village de Koudjoudé. Il y a eu saccage du matériel électoral. Sur le point focal des Zéguinchons. C'est bon, c'était à 13h15. Donc je dois dire que j'étais très satisfait par ce que j'ai vu. Parce que le processus s'est déroulé dans cette atmosphère paisible. Surtout, j'ai vu des gens qui viennent voter, personne ne les dérange, il n'y a aucune entrave et pour voter. Donc le processus était libre, transparent, libre, ouvert et également équitable. Macky Sall, Abdoulaye Ward. Ont obtenu Abdoulaye Wade 992 556, soit 34,20%. Macky Sall 1 909 244, soit 65,80%. Le taux de participation a été estimé à 55%. A new era is taking shape in Africa's political scene, especially in terms of electoral monitoring. Vraiment, nous sommes très très contents. On ne pouvait pas s'exprimer. Babi Mom, il a été grand. Comme que nanguna défaite et tout, wako féliciteko. Le peuple est en effervescence. Tout le monde est content. Ce qui est indéniable, c'est que le Sénégalais croit en l'élection comme le mode par essence de désignation des dirigeants. C'est que le peuple sénégalais est très mûr, plus mûr que sa classe politique, plus forte que ses institutions. Ça permet de relativiser l'assertion d'Obama au Ghana. Il faut des institutions fortes, il faut un peuple mûr et des hommes responsables, en plus des institutions fortes, pour avoir une bonne démocratie. What assessment can those who participated in the observation mission draw from their experiences? And just how significant and innovative was the Situation Room initiative? La plupart de ces missions d'observation ont été quand même frappées par les innovations apportées dans la mission d'observation du réseau site, c'est-à-dire justement ne pas faire un catalogue de critiques après coup, mais faire un diagnostic sur pièce et sur place et apporter les remèdes qu'il faut. Et je crois que cela a été quand même assez concluant, de sorte que, à tel point qu'il y a eu des pays africains qui ont été demandeurs
de justement de partage de l'expérience du Sénégal dans ce domaine. C'est un peu la raison pour laquelle le réseau CIT veut lui-même se remettre en cause, voir comment travailler pour que le réseau soit étendu à tous les États africains, que nous puissions vraiment regrouper tous nos efforts, travailler ensemble pour le bien de notre continent. Ne pensez pas que l'élection à elle seule peut aider à la démocratisation de nos sociétés. On est dans des sociétés qui ne sont pas démocratiques et on veut des États qui soient démocratiques. Donc il y a un long chemin à parcourir pour qu'il y ait une jonction entre l'État et la société. Et ces technologies-là peuvent apporter une petite contribution. Through this new platform, civil society organizations were able to unite efforts and ensure greater respect for electoral rules and usage of peaceful means to solve electoral disputes. They use this innovative technology as a tool to help gauge and to help guarantee that international standards for electoral monitoring were upheld and the potential for violence was diffused. As philosopher Albert Jacquard said, it's necessary that people's morality be decided by the people themselves. Hence the need for a new kind of democracy, the democracy of ethics. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, en ce 25 mars 2012, après la journée mémorable du 26 février, le peuple sénégalais s'est exprimé dans les urnes. À l'intérieur de nos frontières, comme à l'étranger, les électeurs ont voté dans le calme et la sérénité. Leur maturité est un motif de fierté pour chacun de nous. Maintenant, il y a de nouveaux enjeux. Il y a une forte citoyenneté qui s'exprime, quand je dis le peuple. Il faut donner une issue plus productive à cette citoyenneté. Dans la reconstruction du leadership politique, comme dans la refondation des institutions, il faut écouter les citoyens. C'est un grand jour. C'est un grand jour pour le Sénégal. C'est un grand jour pour l'Afrique. Je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui montre que seul le peuple est légitime.